Et bienvenue à tous sur la chaîne du Nerotro Gaming. C'est moi qui j'ai la hôte de Noël remplie de cadeaux. Ah, je sais pas si vous connaissez hein, Emmaüs. Il y a des vêtements parfois Emmaüs, hein. Mobilier, vaisselle, faut pas, faut, voilà, il y a tout, même des vêtements. Mais on oublie aussi, il y a des DVD. Des DVD, même des Blu-ray parfois, et même des jeux vidéo. J'ai vu qu'il y avait des jeux vidéo PS3, 360. Bon, il n'y a pas de PS4, PS5, tout ça, ça peut être un peu trop tôt encore, mais ça finira bien par y arriver. Et bon, bah, l'avantage de Emmaüs, c'est que ça défie tous les prix de toute la concurrence, quoi. Ça les casse en mille. Là, regardez. Ça, là. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez sûrement déjà de là, c'est Stargate. J'ai pas tout non plus, parce que là, ça serait carrément une poche comme ça, vu qu'il y a plus de 300 épisodes, je sais plus combien. Mais je sais pas, je dois avoir 2, 3, 4, 5 saisons. Pour putain, la caméra a encore bugué. Voilà, magie, magie. Voilà, caméra bug. Je sais pas ce qu'elle a. Je vais que bugger un peu de moins quand je la mets en petit. Mais tant pis, je vais laisser en grand. C'est vite que voilà. Stargate Aegean. Là, j'ai pris au pif. C'est le 21e coffret de la saison 3. Voilà. Et j'en ai, je sais pas, je vais pas compter, mais il y a une bonne 30 pleine là-dedans. Je vais avoir une doublette, mais pas beaucoup. J'ai tout pris, j'ai tout chargé. Ça les débarrasse, ça me débarrasse. Et en fait, voilà, tous les 3 mois, encore mieux, hein, que d'habitude, déjà c'est donné, hein, pas chipoté. Mais tous les 3 mois, en général, en tout cas, dans ma région, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un déstockage, et ils se mettent dans un endroit où tu vas et tu payes au kilo. Bon, pas pour ce qui est des DVD, des jeux vidéo, du reste. Tu les payes à l'unité, mais c'est genre 30, 50 centimes. Et plus t'en prends, moins c'est cher. Et voici le poche. J'aurais pu en prendre encore d'autres. Il y a plein de trucs qui me plaisaient. Il me plaisait la première chaîne. Petite place là pour me voyez. Ouais. Ah, c'est pas évident. Pour la météo, hein, du boulot. Voilà, il y en a beaucoup de jeux. Oui, c'est classé des jeux, ça. Pour la plupart. Les films, ils sont en dessous ici, là. Je le où je peux pour l'instant. Deux films, déjà, évidemment. Ouais. Ou X-Files, attention. Pardon. Ceux de ma génération, t'es bien. Batman Begins, il me semble que j'ai déjà vu. Bon, voilà. Hein. Il y a un coffret collector, il est plutôt joli, il est plutôt bien. Voilà, il est propre. Donc, on va faire Watchmen, je crois que j'ai jamais vu Watchmen, donc on aura besoin de regarder. Bon, après, je ne veux pas vous tous les faire, mais à quelques-uns. Ah ouais, Snatch. Je vous conseille si vous ne le connaissez pas avec Brad Pitt. Vraiment très pas mal comme film. Les Époux, avec Thierry Lhermitte. Et Philippe Noiret. Blade Runner 2049. Voilà, ça m'intéressait, je ne l'ai pas vu, j'avais vu que l'original il y a longtemps, je ne l'ai même pas en DVD, il faudra que je retrouve un de ces quatre. Abyss. Voilà, il y a une grosse étiquette, ça nique un peu tout, mais c'est pas grave. Alors lui, pareil, j'ai des vagues souvenirs, il me semble l'avoir vu il y a un petit moment. Et voilà, depuis que j'ai tombé sur la série, là, je sais que bon, ça n'a rien à voir, mais il y a une petite inspiration quand même. Ça m'avait rappelé que ce film-là existait. Et que c'est quand même un film culte, hein. Culte, hein. C'est un des premiers, je crois, qui avait utilisé les images de synthèse pour les trucages. Et après, le professionnel, hein, RIP Belmondo, Jean-Paul. Ouais, je n'en avais pas, ça m'en fera au moins un. C'est peut-être pas le meilleur, mais au moins un des meilleurs films qu'il ait fait. Donc voilà, ce sera une petite recommandation, comme vous aussi, il y avait ça mon point. De base, allez-y, vous allez voir, ça va pas du tout, on fait toujours pareil. En fond, ça sera bien même. À peu de choses près, peut-être que. Pour tout ça, j'ai mis 3 euros et encore par rapport au fait que c'était un déstockage, quoi. Mais déjà, de base, ça va pas être cher. Ils s'en débarrassent. Ça prend de la place. Comme ça. Bon, bah allez. Finish. Plus rien à rajouter. Je marmotte. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Soin de vous, pardon. Et ciao. Et c'est pas je marmotte, déjà, c'est je marmonne. Parce que c'est ça qui me perturbait. Parce que je marmotte, ça veut rien dire. Bon, allez. Bye bye.